Ah. J'ai fait un truc trop stylé. Et un mec, putain, il en restait un. Terrible. C'est pas grave, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Yes. Ok. J'ai du mal, j'ai toujours eu du mal depuis le début du jeu. C'est le seul truc auquel je galère vraiment. Genre. C'est le truc avec lequel je galère en fait, c'est de me naviguer dans, dans le menu. Vous voyez en gros les 4, il y a beaucoup beaucoup de touches, beaucoup de possibilités et je galère grandement à naviguer dans les, menus pour le coup. Je sais pas si c'est moi ou s'il faut juste... Oh la vache, on laisse tomber là. Je sais pas si ça manque d'ergonomie ou si c'est moi. Mais en gros quand tu veux utiliser les deux arcs et tout, ça ferait beaucoup de touches, ma malice. Parce qu'en gros pour faire simple, tu vois, j'ai donc ici 4 trucs, d'accord. Tu vois. Ensuite, quand je vais dans le lancer, j'ai encore trois nouvelles options à droite. Et j'avoue que je suis peut-être trop vieux, hein, je sais pas, je galère un peu à naviguer dans les menus. Complètement, par contre. Est-ce que c'est le jeu ou est-ce que c'est moi? J'en sais rien. Putain, tu vois, là par exemple, j'essaie de chercher la bombe fumigène, je la trouve pas. Je sais pas comment la mettre là. Je ne sais pas comment mettre la bombe fumigène, je sais plus où. Allez là! C'est avec, l'autre gâchette aussi. Tu vois, t'as aussi un truc quand tu utilises... Putain. T'as aussi un truc quand tu utilises l'autre gâchette. Ah putain. Quand t'es avec la gâchette... Putain, y a du monde, hein. Merde. Ok. Ah t'as tout un tas de gameplay, bah, t'as un tas de trucs. Hein. Je suis pas que ça. Je pense que l'ergonomie ils ont fait au mieux. C'est juste qu'ils ont un jeu très complet. Tu vois. Oui, et complètement, Chamélis. Hein. Tout a un intérêt, tu vois. Ici, tu as l'écunaille, ça me permet de faire sauter l'armure et leur faire des dégâts. Bombe collante, je lance une bombe directement sur un mec. Voie du feu, faire plus de dégâts. La bombe fumigène, je peux ensuite enchaîner un triple assassinat. Tu vois, à droite, j'ai aussi les trois postures. Merde! Non, où ça? Oh non, 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 attendez, il est où? Il est où, il est où, il est où, il est où, il est où? Il est où? Mais... Où est-ce que j'ai pris des dégâts? Mais... Au-dessus... Ah putain! Ah non, c'est chez moi, ça, bah... Bon, on va avancer, c'est pas grave. Et tout a un intérêt, tu vois, Emelis. Et si tu veux bien jouer, il faut tout utiliser, et surtout que t'as tout en, t'as les stocks limités, tu vois, de ces trucs-là. Donc t'as intérêt vraiment à bien les spammer, quoi. Oh putain, si j'arrive sur le boss avec zéro détermination, ça va être là. Je vais faire le buzz de fin avec zéro détermination. Et pas toute ma vie. Et en plus, c'est un lancier à la con. C'est le buzz de fin. Enfin, c'est l'antagoniste de l'histoire, Amélis. Pas de spoil, je veux pas savoir si c'est la fin. Ce qui est factuel, c'est que c'est l'antagoniste. Il a pas de supérieur, tu vois. Évidemment. Il a une lance. Il a une putain de lance. D'accord. J'ai zéro détermination et je suis pas full life. C'est trop bien. Ah, on fait le 600 sur lui, non mais c'est sûr. Et évidemment, il a full nouveau pattern. J'ai jamais vu ces patterns-là.
Ah bon, il a un contre aussi. Et attaque imparable. Ok. Ça allait, Katan. Il va être sympa, lui, hein. Putain, mais même en roulant... Ah, je suis pas mort. Ok, je suis mort. Oui, mais on sait pas quand elle tape. L'armure, ah, il est blindé, le mec. Hein. Lui, il a une vraie armure. Hein. Il est blindé, blindé. Hein. Elle est lente, mais faut que je trouve quand est-ce qu'il tape, tu vois. Ok, P1 faite. J'ai passé la P1, maintenant P2. Allez! Oh la vache! On reste tranquillisé. Ok, donc P2, on a les nouveaux patterns, évidemment, sinon c'est pas drôle. On va brute force à P1. Putain. Ouvre ta gueule, t'as raison, ouvre ta gueule. Imparable ou pas? Ok, c'était parable. Il y a un tracking sur tous les mobs, Primus. C'est peut-être un des reproches que j'ai à faire, c'est qu'il y a un tracking, genre ils viennent te chercher jusqu'au bout. Parfois. Et c'est vrai que c'est assez frustrant. Mais c'est le cas depuis le début du jeu, par contre, pour le coup. Merci beaucoup, Tok'ra. Oh, Tok'ra! Ça fait un bail, ça. Une Tok'ra sauvage apparaît. Putain, j'en meurs. Mais ça me fait quand même plaisir. Merci, Tok'rana, pour le deuxième mois d'abonnement. Et bonjour à toi. Tok'rana, la druidesse de Happy Tree Geek. Comment vas-tu? T'as passé de joyeuses fêtes? Fait plaisir de te revoir. Allez. Saloperie, va. Oui. D'accord, alors comment j'esquive ça? Parce que ça c'est pas parable. Tiens, j'y pensais, Lucas. Au pire, pour certains jeux comme Ghost of Tsushima, je peux prêter ma PS4 Pro en fait. Puis à tout pire, parce que c'est vrai que la PS5 est le truc où je vais utiliser, mais la PS4 Pro elle est là. Puis c'est la Pro en plus, donc ça, il t'aura quand même le... Enfin, tu la prends quand tu veux, tu vois, s'il y a certains jeux que tu veux faire. Easy, tu vas te prendre un ban, tu le sais que ça arrive. On en est à ça, Easy. Easy, cherche. On lui fait plaisir, mais il en demande toujours plus. Alors qu'il va avoir du Borderlands 2. Ah, les 600 morts. Quel coût. Allez. Ok, P2. Putain, j'arrive pas. Je connais, il laisse encore une nouvelle attaque, ça. Ça, c'est une attaque parable. J'ai essayé de la parer, hein, mais j'ai pas trouvé le timing. Je suis ready. Je pense qu'il est conseillé quand un mec a la lance. Ouais, forcément.
Oh putain, c'est une triple attaque. Il va être costaud, lui. Pour l'instant, il me fait pas tilter. Parce qu'en fait, ce qui me fait... Quand je tilte pas, vous voyez, quand il y a trop de trucs différents, quand il y a encore en plein apprentissage. Ce qui m'avait fait tilter contre Gojiro, c'est que c'est le même coup que j'arrivais rien à faire. Je sais pas quoi te dire. Comment ça, les coups? C'est pas un problème de... Je sais pas quoi te dire. Je peux pas t'aider pour l'instant. Je sais pas quoi te dire, écoute. Essaie de changer de câble, éteins l'écran, redémarre le PC, je sais pas. Ah, je suis sur le buzz de fin du jeu, désolé, je peux pas t'aider, écoute. Hein. Allez. Allez. C'est normal, Katon. Point d'exclamation, little. Lethal. C'est tout à fait normal pour le coup. Oui! 1, 2, 3, 4! Oh putain! Putain! Je savais qu'il y avait 3 coups, mais il y a donc 4 coups imparables à la suite. C'est assez fun. N'hésitez pas à lire le titre et à faire les commandes. J'ai esquivé le quatrième techniquement. What? Putain, quel enfer. En même temps, c'est le chef de guerre mongol, hein, donc bon. Trois et quatre. Ah bon? Ah bon? C'est ça, 666 morts. Ah, c'est du costaud, l'étal. Hein. C'est du costaud, y'a pas à dire. Oh là là. Putain. Ah, il a un tracking d'enfoiré. Hein. Il a un tracking d'enfoiré. Hein. Il est fort, il est juste très très fort. Hein. Ils lui ont mis un tas de patterns, il s'adapte et tout. Il doit avoir au moins 3 phases. Pfff. Ah, t'as vu son arme? Elle est superbe, hein, ceci, son arme. Hein. Putain! Ça part tellement vite. Les petits coups de lance. De toute façon, le boss à la lance. Je m'y attendais que ça soit un boss à la lance, on a déjà vu son arme. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai bien monté la posture hein, anti-lance. Mais ça a été mon ennemi pendant tout le jeu, les lances. Le boss de fin était évidemment un mec à la lance. Donc, ça va être très très dur. J'ai toujours eu du mal en fait à régler parce que le. C'est pas des grands mouvements, vous voyez, comme à l'épée ou autre. Yes, comme pour
dans la, les trois royaumes, t'en as un mec qui en a un qui est le mec en vert, celui qui s'était fait opérer le, dans le bras sans. Je sais plus comment il s'appelle. Il s'est fait opérer sans morphine directement dans le bras, là, dans la légende. Je sais plus son nom. Il va être costaud costaud. Hein. Même si on sent 6 morts, hein, je pense qu'il y a moyen que ça fasse plus. Hein. Il est très très dur. Hein. Sacré boss de fin, putain. Et en plus, évidemment, je suis pas full life et j'ai zéro détermination. C'est la pire situation possible hein, pour ça, quoi. C'est vraiment la pire situation pour le boss de fin. Logiquement, tu vas full détermination, quoi. Là, je suis en mode létal, mais en mode hardcore du létal, quoi. Ah oh ouais, non, mais il a des combos, le mec. Ah oh ouais, non, mais là, c'est... Il te sort des trucs, parfois. Ça va être compliqué. Hein. Ah, il le fait, hein, je sais bien. Hein, c'est terrible. C'est compliqué. Hein. Il est très, très, très fort. Ses patterns changent en plus de phase en. Même hors de trait en trail. Ah, je viens de voir un truc intéressant, attendez. Il s'est passé un truc intéressant, là. What? Allez, la P2. Enfin, c'est l'heure de la P3. Guan Yu, c'est ça. Merci. Tsushima no tami no munen omoi shire katakiuchi to wa warabe no yona asahana sama. Putain, j'ai raté ma frappe du coup. Salut Imagine. Yes. Ah, j'ai raté ma frappe du coup. Ah, je l'ai payé cher. Mais ouais. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tsushima no tami no munen omoi shire. Ok, la P1 je la maîtrise, nickel. La P1 on est bon. Je lui fais le... Pourquoi elle est pas partie la frappe, putain. Putain. Salopard de boss. Tsushima no tami no munen omoi shire kataki uchi to wa kataki uchi to wa warabe no yona asahana sama. What? Oula. Onore de wa ware ni wa katen. Il a pas fait un truc chelou là. Il est pas un peu parti en tous les sens là le monsieur là. Ou c'est moi. Non, je sais pas, j'ai l'impression que je l'ai vu bouger très très vite. Tsushima no tami no munen omoi shire kataki uchi to wa.
津島の民の無念を思い知れ。敵討ちとは、敵討ちとは我。津島が己の墓場だ。 Mais non! Je suis en train de rouler, putain. Parce que là, j'aurais dû finir sa P2, là, il est resté ça, je suis en train de rouler, il me chèpe quand même. C'est terrible, il est tellement fort. Il est tellement fort. Ta gueule! J'esquive, putain! Vache! Oh là 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 là, il me bloque complètement mes attaques chargées. Il faut absolument que j'arrive à parer cette attaque bleue en P2. En P2, en P3, ce qui me manque maintenant, c'est réussir à trouver le timing pour parer ces putains d'attaques bleues. Si je les pare, elle, ça va. Les attaques imparables, faut juste prier un peu, quoi. Ah non, la P1, c'est... ça va. Non, 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 je suis pas du tout salé. Il est pas frustrant. Il est juste fort. Il est juste très fort, Katon. J'ai jamais été salé, tu me verras jamais salé contre un boss fort. Allez. Oh, oh le salaud. Oh le salaud, putain. Oh le salaud. Et en plus il nous a empoisonné. Hein. Ah le... Oh putain! What? Oh, me dites pas que ça me fait reprendre après le boss. Dites-moi que ça me fait reprendre la... C'est bon. Ok. Enfin, après le boss, j'arrive plus à parler, mais oui, sinon ça aurait été terrible, tu vois. Putain, il nous a tellement baisé, mais quel enfoiré! Oh là 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 là! Ah, je suis prêt pour le shooter manette là. Comment il fait le malin là, on vient de te péter la gueule. Il est costaud lui hein. Battez Kotunkan. Ah non mais attendez, ça veut dire que je vais devoir me faire les trash et le reboss à... Non. Parce que battez Kotunkan là, ils sont mignons là. Ok. Hop. Petite bombe collante déjà. Thank you.
Ah mais c'est Cotton Can. Ah mais c'est lui là. Il est même plus en mode boss, attendez. Attendez, what? C'est trop chelou. Mais là, il m'envoie des potes, là. Ouais, mais lui, il one-shotait Frimous. Pas moi. Oh, si j'arrive à faire... Attendez. What? Mais non! Oh là! C'est quoi ce combat final? Le mec il appelle toute son armée pour me décimer! Mais what the fuck?